Je reviens avec un mini vlog comme je vous avais dit. Donc je me suis réveillée environ vers 8h30. Voilà, donc là j'ai fait un gommage pour le visage. Avant j'ai pris mon savon d'Alep. Voilà. Donc j'ai fait un gommage, excusez-moi, de Pur Système de Yves Rocher. Et ensuite j'avais décidé de faire un petit masque, un masque pour les yeux. Voilà. Donc je suis encore en chemise de nuit, hein, je suis habillée. Hein. Voilà, donc je ne me suis pas encore coiffée, je me suis juste lavé le visage, j'ai déjà pris un cappuccino. Et je me suis dit, je vais commencer le vlog maintenant. Je pense quand même qu'il sera assez court dans la journée. Voilà, enfin on verra bien. Comme je vous ai dit, vers 11h je vais chez le coiffeur. Donc je vous montrerai l'après, quand je me serai apprêtée aussi. Donc enfin bref, on va utiliser le masque patch tissu pomme-granate. J'avais acheté pendant les soldes de chez Sephora. Alors, donc j'ai pas mes lunettes. Inspiré des rituels de beauté asiatique, les masques patch pour yeux Sephora offre une solution efficace à chaque problématique de la peau ciblée. Ces masques en matière tissu épousent parfaitement le contour de l'œil pour une meilleure interaction des actifs avec la peau. Alors, à retirer les deux feuilles de protection transparentes, etc. Positionner le patch sur le contour de chaque œil, comme sur le schéma. Voilà. Laisser agir pendant 15 minutes, puis retirer les patchs et faire pénétrer l'excédent par léger massage, inutile de rincer. Donc je ferai pénétrer le léger excédent, comme ils disent, mais je rajouterai un léger voile de brume d'eau. Voilà. Donc voilà, et je pense vous faire aussi aujourd'hui, mais je vous la mettrai plus tard, mes produits favoris de juillet, que j'ai pas eu le temps de faire, vous savez, en collaboration avec Chloé de ma chaîne Soyez-vous. J'ai pas eu le temps pendant les vacances, la connexion n'était pas terrible, j'utilisais mon forfait, donc internet, il n'y avait pas de wifi là où j'étais, donc c'était pas toujours évident pour mettre une vidéo en ligne, bien que j'en ai quand même mis pendant les vacances. Voilà, donc... Voilà, c'est parti. Ça mettait environ une journée pour la mettre en ligne, tout simplement. Donc, on va ouvrir. Alors, pareil, petite chose que j'ai oublié de prendre pendant les vacances. J'avais fini le dope à la pomme d'amour. J'avais fini ce produit-ci qui était pas mal. Mais ma première impression, je vous avais dit quand je l'ai acheté, c'était bien la première impression que j'avais. Ça sentait un peu le velouté à la framboise un peu. Mais sinon, il était très bien. Donc ça, dans les produits terminés, vous ne l'aurez pas la prochaine fois. J'avais aussi un lave-main de Labelle que j'ai pas pris, que j'ai laissé là-bas. Il y avait un masque que j'ai reçu dans le concours de Laetitia, qui était super bien, c'était un masque de nuit Sephora à la perle. Il était génial celui-ci, franchement j'ai fait deux utilisations. Je l'ai bien, j'ai bien remis du papier aluminium, j'ai pu faire deux utilisations. Celui-ci, il était super bien. Qu'est-ce que je n'ai pas repris aussi Je crois que c'est tout à peu près, hein. Il y avait juste 2-3 produits. Des masques charbon d'action, dans mes hauls, dans mes précédents hauls action, vous voyez que je les adore. Mais le masque que j'ai reçu de la part de Laetitia, la chaîne Laetitia Letty, franchement, il était génial. Pour la nuit, moi qui ai la peau grasse, ça ne m'a pas fait regraisser la peau le lendemain. Voilà, donc ces produits-ci, je ne les ai pas emmenés dans mes bagages, enfin dans mes bagages. Je ne les ai pas pris avec moi, hein. Donc voilà, donc j'ai nettoyé, donc comme je vous ai dit, mon visage. Donc les patchs se présentent comme ceci. On va les appliquer. On va les laisser 15 minutes. Alors vous avez déjà un petit film ici et un autre petit film ici. Voilà, j'en ai déjà utilisé la dernière fois, je crois, des patchs pour les yeux. Alors c'est dans quel sens déjà? Voilà, c'est comme ça. Je ne savais plus le sens. Alors, j'essaie de me mettre vers le miroir. Hop.
Voilà, comme ceci. L'autre côté. Alors, faites attention de ne pas vous le mettre dans l'œil. Hein. C'est ce que j'ai failli faire. Alors, ils sont très imbibés hein, quand même de produits. Mais bon, pendant 15-20 minutes, ben, les films, ils sont enlevés pour cela. Ils sont vraiment top. Hein. Bon, ça ne fait pas non plus de miracle. Hein. Ça vous apaise juste, juste pour la journée, en fin de compte. Il faut bien mettre ensuite votre crème habituelle contour des yeux. Hein. Donc voilà, on va laisser poser 15 minutes. La joie qui ne s'est pas bien collée. Voilà, pendant 15-20 minutes. Et moi, en attendant, je vais aller prendre un café et regarder pendant 15 minutes une ou deux vidéos sur YouTube. Voilà. Donc, à tester. Je suis en train de les tester. J'avais essayé ceux à la rose, il me semble. Plutôt top. Donc voilà, et puis moi, comme d'habitude, j'utilise le Revitalift Laser x3. Et j'ai aussi le Laser x3 en crème pour les yeux que j'ai laissé au frigidaire, au réfrigérateur. Voilà. Donc c'est parti, je vous retrouve juste avant de partir, je pense. Voilà, ou alors quand je me serai maquillée, on verra. Je vous montrerai ce que ça a fait, quoi. Et ben, à plus tard, gros bisous. Nous voici de retour. Donc, du coup, je ne vous ai pas repris après le masque. Donc, j'ai les yeux légèrement défatigués avec les masques, les petits patchs de chez Sephora. Donc, je me suis légèrement maquillée. Hein. J'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai mis un peu de poudre, un peu d'anti-cerne, un peu de poudre sur les yeux, enfin, un peu de fard à paupières. Et j'ai été chez le coiffeur. Vraiment, j'adore. On a fait un peu plus de marron. Un peu moins de blond. Voilà, derrière la nuque est bien coupée. Moi, j'aime bien que ce soit court derrière. Pas trop court ici, par contre. Voilà. Donc, voilà, voici ce que ça donne. Donc, là, j'ai vraiment pas très faim. Il fait trop chaud. Donc, je vais manger des épinards. Voilà, comme je suis toute seule, j'ai pas tellement envie de me faire à manger. Je bois un peu de coca caféine. Enfin, sans caféine, plutôt. Une pêche. Voilà. Avec un petit viennois au café. Voilà, ça va être tout mon repas de ce midi. Enfin, il est plutôt 13h. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas trop si je vais vous vlogger cet après-midi. Je ne vais rien faire de spécial. Je vais rester tranquille chez moi. Je vais faire la vidéo des produits favoris de juillet, voilà, que ce soit une lecture, tout ce que j'ai aimé au mois de juillet, je vais y arriver. Voilà, que ce soit une lecture, je vais essayer de ne pas vous représenter les mêmes choses. Voilà, bah, que vous dire d'autre, il fait super chaud, je ne sais pas combien il fait, mais c'est sûr qu'il fait plus de 30 degrés. Donc vous me direz ce que vous en pensez de la coupe. Franchement, moi j'adore, hein, je ne suis jamais déçue. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, hein, rien de bien passionnant. Hein. Voilà, une journée classique quand on est en vacances. Donc là, je me force vraiment à manger les épinards. J'avais pas tellement envie de manger. Je me suis dit, il faut quand même manger un petit peu. Parce que hier, devinez ce que j'ai mangé. Enfin, j'ai fait pas mal de craquage hier. J'ai mangé beaucoup de Dragibus Pic. Voilà, si vous ne les connaissez pas, ben, moi, enfin, je ne vois pas trop ce qui change avec le pic. Voilà, moi je trouve que c'est des Dragibus normaux, hein, je ne vois pas trop le goût piquant. Mais je trouve que c'est assez acide, hein. J'en ai mangé un peu trop hier. Bon, il y a mon fils qui m'a aidé à en manger. Hein. Et franchement, là je suis un peu écœurée et du coup, j'ai presque plus faim. J'ai mangé des accouchonneries et voilà. Avec moi, c'est un coup, je vais manger de la salade. Le lendemain, je mange pas tellement équilibré. Donc là, je me force à manger. Mais franchement, avec la chaleur, j'ai pas très faim. Et j'ai fait pas mal de craquage pendant les vacances. Que ce soit des frites, des pizzas. Voilà, donc il va falloir que je me remette un peu à faire attention à mon poids. Il faudra que je perde au moins 2-3 kilos. Voilà, bah écoutez, je sais pas trop. Parce que je me sens pas très bien... vu par rapport à mon dos et tout ça.
Voilà. Bah, franchement, je ne sais pas trop ce que je vais vous vloguer cet après-midi. Alors, je ne sais pas si j'arrête le vlog là ou pas. Parce que je pense cet après-midi, je vais sûrement lire un petit peu et surtout faire la vidéo des favoris du mois de juillet et mettre aussi en ligne le concours pour la palette. Voilà, bah écoutez, bon bah je vais manger avant que ça refroidisse. Et bah peut-être à plus tard, ou sinon je vous mettrai la vidéo en ligne. Des gros bisous. Bye Alors, bye. re-coucou, donc j'ai passé mon après-midi à ranger ma coiffeuse. J'ai lavé tous les pinceaux dont je ne me servais pas. J'avais des, comment ça s'appelle? Des pots comme ceci. J'ai pas pris mon trépied, j'aurais peut-être dû le prendre. Des pots comme ceci remplis de pinceaux. Donc j'utilise ceux-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai nettoyés. Et je vais les ranger ensuite dans une pochette. Voilà. Donc j'ai mangé, il fait super chaud, j'ai rien fait de spécial à part avoir rangé un peu mon make-up. J'ai aussi mis les palettes que j'avais sous ma coiffeuse dans des pochettes comme ceci, je les ai rangées. Voilà, j'ai plusieurs pochettes. Et ça, je vous l'avais montré dans mes rangements make-up. J'ai tous ces bacs remplis de make-up. Donc je vais essayer de me calmer un peu sur le maquillage maintenant, hein, parce que là, ça fait quand même pas mal, hein. Donc voilà, donc j'ai réorganisé un peu ma coiffeuse. Je sais pas si on verra bien. Voilà, les pinceaux. Voilà, donc je me suis vraiment maquillée hyper léger aujourd'hui. Bientôt, je vous ferai un petit make-up avec la nouvelle palette de chez Action, la barre trans de chez Makey. Je vous renvoie sur mon haul Action. Donc je ne l'ai pas encore testé, hein. J'attendais de faire le crash test avec vous. Donc elle est top, elle est à 1,98 €. Oui, c'est ça, j'avais mis le prix derrière. Donc je vous renvoie dans mon ancien haul. Donc elle est vraiment, vraiment jolie. J'ai vu que des avis positifs, à part qu'elle est poudreuse, hein, comme toutes les palettes de chez Action. Et là, c'est la petite palette que je vais vous faire gagner. Voilà, j'ai fait du tri dans mes pinceaux. J'ai retrouvé des petits pinceaux tout neufs que je vais vous envoyer avec la petite palette. Donc ça, celle-ci, c'est pour vous. Elle est toute emballée, hein. Voilà, la mienne, elle est ici. Voilà, je vais la remettre sur la coiffeuse d'ailleurs. Voilà. Donc je la laisse ici parce que je vais l'utiliser quand même souvent. Et donc j'ai hâte de tester cette palette. Donc pour la gagnante ou le gagnant, j'enverrai donc cette palette-ci avec les deux petits pinceaux qui sont neufs, hein. Voilà, donc vous les prenez si vous voulez, hein. Là, pourquoi pas pour mettre du highlighter. Je me suis dit, au lieu de les jeter, moi je ne vais pas m'en servir. Pourquoi pas les faire gagner avec la palette. Je pense vous faire le concours plutôt demain parce que là il fait vraiment trop trop chaud. Et là, je crois que je vais clôturer le vlog parce que je suis en nage. Donc j'espère que ce mini vlog qui n'était pas spécialement intéressant, enfin, j'ai rien fait de spécial, je n'ai pas lu. J'ai juste regardé des vidéos un peu sur ma tablette, hein. J'ai fait le ménage, enfin des trucs classiques, hein. Là, elle est en train d'être rechargée. Du coup, j'avais rechargé ma perche et je ne m'en suis pas servie. Voilà, je ne m'en suis pas servie du tout. Donc, bah, j'espère que ce mini vlog vous aura plu, hein. J'ai rien fait d'exceptionnel. Et bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.